Et puis quoi encore? Cet évapocanon n'est rien qu'un gigantesque sèche-cheveux. Ah, je suis d'accord avec toi, de toute façon cette mission est archi nulle. Non mais vous vous rendez compte? Surveiller les avalanches, on est quoi, des espions ou des gardes forestiers? Ni l'un ni l'autre, on serait plutôt des babysitters pour chèvres. Qui croyait que la vie d'espionne serait une vie exaltante? C'est pas vraiment le cas, où sont passées les missions palpitantes dans des contrées exotiques? Au moins, on sera prête pour notre expédition en snowboard ce week-end. Ouais, que diriez-vous de laisser tomber Jerry et ses missions ennuyeuses pour nous concentrer sur ce qu'il y a de plus important? Génial! Oui, mais peut-être un petit peu trop collant pour faire du snowboard. Oh! D'abord, ça ne vous regarde pas la façon dont je m'habille. Allez, disparaissez! Top! Allez! Alex, j'ai remarqué que vos notes avaient chuté. Alors un professeur du WOOP vous donnera des cours de rattrapage chaque jour après le lycée. Non, non, inutile de me remercier. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Attendez, ce travail d'espionne est franchement en train de tourner au ridicule. On n'arrive même pas à organiser notre week-end sans que Jerry nous tombe dessus. Oh, ne m'en parle pas, ce type devient vraiment très encombrant. Je crois que c'est le moment ou jamais de le lui faire comprendre. Je suis totalement d'accord. Il est temps que ce monsieur sache qui nous sommes vraiment. À croire qu'il nous a entendus, c'est le moment ou jamais, on ne peut plus reculer. C'est bon, Jerry, assez maintenant, ça suffit. Il a raison, on est fatigué de vos intrusions dans notre vie privée. Ouais, et on veut plus être traités comme des gamines, hein. Est-ce que c'est bien fait comprendre? Tout à fait. Bonjour les filles, je suis Max Smith, le nouveau patron du WOOP. Vous êtes notre nouveau patron? Mais qu'est-il arrivé à Jerry? Jerry a décidé, après 35 ans de bons et loyaux services au WOOP, qu'il était grand temps pour lui de se mettre au golf. Il a pris sa retraite. C'est exact, les filles, j'ai bien pris ma retraite. Je ne suis pas inquiet pour autant, car je suis sûr que je vous laisse entre de bonnes mains. Et Mac va sûrement se montrer à la hauteur de la situation. Donc, ça veut dire qu'on ne vous reverra plus jamais, Jerry? Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. J'arrive pas à m'y faire. Jerry à la retraite? Quand je pense qu'hier encore, il nous tapait sur les nerfs parce qu'on l'avait sur le dos à longueur de journée, c'est fou. Nous aurons amplement le temps de faire connaissance, les filles. Pour l'instant, j'ai besoin de votre attention. J'ai une importante mission à vous confier. Génial! C'est lui qu'on va avoir sur le dos à longueur de journée à la place de Jerry. Et la première chose qu'il vous faut pour cette mission, c'est une carte de crédit à débit illimité et officielle du WOOP. Vous avez bien dit, carte de crédit illimitée? Oui, c'est exact. Le WOOP m'a confié quelques-unes de ces cartes ce matin. Votre première mission sera de faire du shopping aux frais de l'organisation. Je vous recommande certains grands magasins qui vous feront tourner la tête à Paris. Paris! Mais qu'est-ce qui se passe pour les gadgets? Jerry nous donnait toujours des gadgets.
Très bien. Voici un parasol arbalète, un sac à dos jet propulseur, une montre scanner digitale, une bombe de lac tornade et un tube de lotion solaire paralysante. Bon voyage! Je vote pour Mac! Oh, c'est le meilleur! Il est totalement génial! Je suis d'accord avec toi, Clover. Il est très fort et tellement intelligent. Je vais appeler Jerry pour lui demander ce qu'il aimerait comme cadeau d'adieu. Allô, Jerry, c'est Alex. On voulait juste savoir ce qui vous ferait plaisir comme cadeau. Désolé, je ne peux plus rien pour vous. Je suis à la retraite. Mal poli avec ça. Aucune importance. Ouais, tant pis pour lui, ça nous fera faire des économies. Je me demande si je ne vais pas acheter un cadeau pour Mac. Après tout, un peu de générosité n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est grand temps de passer à l'action. Et voilà le travail. C'était vraiment une carte de crédit éclair. On devrait retourner au Whoop pour dire à Max ce qui s'est passé. Joli costume. Hein? Eh bien, vous êtes déjà de retour? Oui, nous avons eu un léger problème avec la carte de crédit. Non pas qu'on n'ait pas apprécié de l'avoir eue en notre possession. Quoi? Est-ce qu'elle aurait été refusée? Non, elle nous a attaqués, on a bien failli être découpés en petits morceaux. C'est une chance qu'on soit sortis vivantes de ce magasin. Voilà, pour vous. Désolée, j'ai pas eu le temps de demander un paquet cadeau. Oh, et qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas sérieuse? On est tout ce qu'il y a de plus sérieuse, malheureusement. Tout aussi sérieuse que la facture de 200 000 $ que le magasin va vous envoyer pour couvrir les dégâts. Bah, ça vous choque pas qu'on ait failli se faire hacher menu par une simple carte de crédit? Alex, Mac est un agent expérimenté. Il a probablement vécu tellement de situations dangereuses qu'aujourd'hui, rien ne peut l'émouvoir. Je suis désolée, les filles. Je me sens redevable envers vous. Que diriez-vous d'un stage de plongée sur les falaises d'Acapulco? Ah non, merci. On a eu notre dose d'aventure exotique pour la journée. Eh bien, dans ce cas, le moins que je puisse faire, c'est de vous offrir de rentrer chez vous comme des stars. Prenez donc ma Titan Turbo 3000 XT, je viens de l'acheter. Je suis allé la chercher hier, elle a encore cette bonne odeur de voiture neuve. Bon, bah si vous insistez. C'est totalement génial, non? Il est vraiment incroyable, ce Mac. Je dirais, il a un cerveau, une élégance, un charme, une silhouette. Enfin bref, sa voiture est une vraie bombe. Elle pourrait même se conduire d'une main. Oh, des lunettes au soleil. On est en pleine nuit, je vois pas l'utilité d'acheter des lunettes de soleil. Ce n'est pas une question d'utilité, Alex. C'est une question de mode. Ah, oh, wow, effectivement, cette voiture est une vraie bombe. Je me demande bien ce qu'a pu causer ça. Oh, je crois que la vraie question, c'est qui a pu causer ça. Bingo! Qu'est-ce que c'est? Une empreinte digitale. Une empreinte digitale appartenant à un criminel qui s'appelle Tim Scan. Ben dis donc, il a un casier judiciaire aussi long que la liste des petits copains de Clover. Je dirais presque aussi long. Oh oh! Il faut prévenir Mac. D'abord, on a eu droit à la carte de crédit tueuse et maintenant l'explosion. À mon avis, ce Tim veut sa peau. Tiens, c'est bizarre, il devra répondre. Alors il faut rentrer au Whoop pour le prévenir. Facile à dire, et comment on fait pour y aller? Oui, au cas où tu l'aurais pas remarqué, notre bolide a explosé. Eh bien si, on ne peut pas y aller par la route. Oh, allons-y par les airs. Rien, mais vous croyez pas qu'on devrait lui laisser un mot? Ah oui, qui dirait quoi? Cher Mac, nous vous informons que nous avons transformé votre carte de crédit en arme mortelle. Et de plus, qu'un malade mental a fait exploser votre voiture en 1000 morceaux. Et à part ça, quand est-ce qu'on se fait un déjeuner? Oh! 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 Hey, les filles, regardez ça! C'est un schéma pour la construction de l'évapocanon. Et un dossier sur Tim Scam! Comme c'est bizarre! Pour quelle raison Mac aurait
pas ses dossiers. J'en vois qu'une, il est au courant que Tim Scam le recherche. Attendez une seconde. Ça vient du fichier des employés du Whoop. C'est impossible, ça voudrait dire... Que Tim Scam aurait travaillé pour le Whoop. Selon ce dossier, il y a une vingtaine d'années, le Whoop l'aurait engagé à l'armement en tant que technicien. Mais ensuite, il aurait été renvoyé pour utilisation illégale de technologies secrètes. Quel escroc! On ferait mieux d'appeler Jerry. Il se souvient certainement de Tim Scam. Après tout, il a dû travailler ici au moins un demi-siècle. Jerry, on a besoin de votre aide, il y a un cinglé. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Ilan, c'est toupet. Nous, on s'en fiche qu'il soit à la retraite. Il y a urgence, là. Et... Attendez un peu. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Je le savais. C'est pas du direct. C'est une vidéo qui tourne en boucle. Une vidéo qui tourne en boucle? Mais pourquoi Jerry ferait-il ça? Lui ne le ferait pas. Il doit s'agir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme... Tim Scam. Restez où vous êtes. Devrait emprunter un de ses engins pour lui échapper. Je ramasse un PV chaque fois que je prends ma voiture. Et vous croyez peut-être que je sais piloter un de ses engins? Ça doit pas être bien compliqué à piloter. Qu'est-ce qui se passe? C'est antigravitationnel! Fait-on lire le mode d'emploi? De guidage de missiles. On est drôlement heureuse que ce soit vous et pas ce malade de Tim Scam. Ah ouais, il nous a pourchassés à travers tout le Whoop, mais en fait c'est après vous qu'il en a. Restez calmes les filles, est-ce que par hasard vous avez toujours cette lotion solaire paralysante sur vous? Oui, la voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce Tim Scam? Vous aviez remarqué que votre nom à l'envers ça donne Tim Scam? Hein? Tiens, c'est une drôle de coïncidence. Vous êtes Tim Scam. Quel bonheur de vous voir. J'ai eu tellement peur que Tim Scam vous retrouve le premier. Inutile de courir. Quelqu'un appelle les urgences, il me faut un massage de tout le corps dans la seconde qui suit. Ouais, bah t'es pas la seule. Hé, hein. Hey, où est passé ce Max Schmidt ou Tim Scam, enfin, quel que soit son nom, il est où? On s'en moque pour l'instant, mais d'abord, où est-ce qu'on est? On profite du voyage et on se détend, les filles. Pourquoi nous avoir amenés ici? Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? C'est très simple, je vais l'utiliser pour procéder à l'évaporation totale de l'eau sur Terre sans prendre de risques puisque je serai dans mon navire spatial. On savait déjà que vous étiez à moitié psychopathe, mais là, vous avez battu tous les records. Trop aimable. On a lu tout votre dossier au Whoop et votre passé de criminel est plutôt chargé. Le Whoop n'a jamais su m'apprécier à ma juste valeur ni reconnaître le génie qui est en moi.
irrésistible. Vous aviez tellement d'élégance. Mais en fait, vous êtes un irresponsable et banal petit terroriste. Et c'est vraiment fini entre nous. Oui, et vous pouvez tirer un trait sur vos plans d'escroc. Parce que maintenant, c'est à nous que vous allez avoir affaire. D'accord, comme vous voudrez. Oh, c'est vrai, j'allais oublier. Si vous croisez Jerry sur votre route, passez-lui le bonjour. Cette fois, je plante pas me servir de l'évapocanon à bon escient. Déjà commencé. Il faut absolument l'arrêter. À votre avis, qu'est-ce qu'il voulait dire par passer le bonjour à Jerry? Jerry! Tout s'explique maintenant. Team Scan a expédié Jerry dans l'espace pour prendre sa place et pirater les ressources du Whoop. Il faut récupérer Jerry avant qu'il soit à court d'oxygène. Mais comment on va faire pour le rattraper? Je crois que j'ai une idée. Génial! Mais c'est quoi ton idée? Je vais utiliser la Lactornade pour nous donner un coup d'accélération. Excusez-moi, je crois que j'ai dû la tourner dans le mauvais sens. On a capturé la capsule de Jerry. T'as plus qu'à nous ramener au vaisseau mère. Encore heureux qu'on soit en gravité zéro dans l'espace, surtout pour Jerry. Un petit effort, Jerry. Il vous reste encore quelques belles années devant vous. Jerry va très bien s'en remettre. Allez, suivez-moi. Oh. Eh ben, où il est? Quand je vois toute cette eau, je pense qu'il ne doit pas être bien loin. Il faut qu'on récupère l'évapocanon pour renvoyer cette eau sur Terre. Ah. Il est ici avec moi. C'est super! Pour une fois que j'ai oublié de prendre ma crème hydratante! Hein? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Jerry! Vous ne vous souvenez pas? Croyez que cette arme était votre meilleur gadget. Un petit rafraîchissement liquide ne vous ferait pas de mal. Qu'est-ce que j'entends? On m'a traité de quoi? On n'a pas le temps de vous expliquer. Il faut renvoyer l'eau sur Terre immédiatement. Faites-moi sortir de là! Les filles, on a peut-être loupé notre week-end de snowboard, mais on a sauvé le monde. Mais on a sauvé Jerry. Oh, j'aurais jamais cru que j'en arriverais là. C'est difficile à admettre, mais il commençait presque à me manquer, ce vieux. Je veux dire, cet adorable senior. Bonsoir, les filles. Je ne fais que passer, mais je voulais vous remercier officiellement de m'avoir sauvé la vie. Aucun problème, Jerry. Après tout, vous avez aussi sauvé la nôtre. Néanmoins, je tenais à vous prouver toute ma gratitude. Alors, j'ai décidé de vous offrir des vacances surprises et de vous envoyer skier à Saint-Moritz. Ah, merci, c'est formidable, génial. Mais tout d'abord, j'ai une mission à vous confier.
Vous allez entraîner la brigade canine du groupe dans sa totalité. Cela, évidemment, après avoir fini vos devoirs, rangez vos chambres, trier quelques dossiers, puis éventuellement... Ça va,